là là, si seulement il pouvait me faire une usine de blindés. Là, je suis juste en train d'attendre d'avoir des blindés. Là 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 là. Ah bah toi, t'es fermé, réouvre-toi. Qu'est-ce qui est fermé aussi? C'est bien parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres derrière, en fait. Il y a quand même un maximum d'usines qui ont fermé. C'est vrai que de ne plus les subventionner, ça n'aide pas pour qu'elles survivent. Mais bon. Nihilisme et volonté. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une usine de blindés, blindés, blindés? Où est-ce qu'on voit un petit tank? Acier inox, là ça fait 20 minutes que vous avez vu le tank et que... Ah, blindé. Désélectionner tout, sélectionner blindé. Super. Genre super quoi. Bah bon. Creuser profondément et avidement, bah forcément. Ma mégalomanie m'empêche de faire autre chose. C'est tellement évident. Hop. Ça fait une demi-heure que j'ai dit que j'allais manger et je n'ai toujours pas été mangé. Voilà, ça y est, ils ont inventé le courant alternatif. Maintenant, ils peuvent faire le triphasé. Ben, bravo, Corsinette. Tu t'es électrifié. Travail par équipe. École de sous-off. Ah oui, mais bien sûr, on va y participer aux Jeux Olympiques. Industrie, voie accès limité, 1919. Ouais. Pas envie. Suède en Espagne. Non. Ah. La Prusse ramasse des rebelles. C'est toujours intéressant à voir. Donc, alors là, les personnes qui progressent, à part les fascistes. Ça, les fascistes... de plus en plus de partis politiques qui traînent. Les fascistes, ils sont pour quoi? Ils sont pour rien. Ah, ils ont pas de tout le type, les fascistes. La poursuite des réformes sociales et les réformes et le retrait des réformes politiques à condition que le parti dirigeant partage leur truc. Alors j'ai éclaté, je les ai éclatés, je les ai éclatés. L'Empire russe, bah oui, ça c'est normal. Normalement, l'Empire russe est retombé. Ça c'est normal, ça va là, ça va ici. Hop. Toi, tu vas aller... Oui, enfin... Pas très utile. J'ai gagné la bataille de Bonn. J'ai gagné la bataille de Monstargan, ce qui paraît logique. Donc, j'ai mon école de sous-off qui est dans la théorie quantique. Normal. C'est un peu tôt. C'est 1912, les théories quantiques. Mais bon. J'ai quand même pas mal de chômeurs, encore une fois. Alors, 99,4. Wouhou! Wouhou! Réforme! Nous allons pouvoir réformer. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Majoritairement, le salaire minimum ou la sécurité du travail. Limitation du temps de travail. 8%, 9%, 9,78, 9,07. Bam, 9,78. Yep, ça c'est réglé. Donc du coup, l'armée ici, le premier tracteur à peau, l'armée d'ici elle va bouger là, cette armée elle va bouger ici. Cette armée elle va revenir ici.
L'école de sous-officiers, on va partir en stratégie de gestion ou théorie néoclassique? On va partir en théorie néoclassique. Cette flotte va aller ici. Voilà, cette flotte va aller là. Cette armée va aller nulle part. Donc là il y a du monde, là il y a du monde. L'Empire russe devrait pas trop tarder. Normalement il devrait être deuxième au niveau du classement des grandes puissances. Voilà, ça c'est cohérent. Ouh, le Royaume-Uni explose tout. Tout se modifie à une vitesse. Sophistien instruit, d'accord, moi je veux la Prusse ici. Faut tout bien, ça n'existe plus la Prusse. Hop. Oui, bah ça c'est des grandes puissances, ça c'est une grande puissance. Belgique n'est plus une grande puissance. Du coup, on peut se tenter de se négocier la Belgique. Hop. Voilà, donc on va essayer d'absorber plus ou moins la Belgique. De manière néoclassique, puisque bien sûr on a des théories néoclassiques en train d'être recherchées. Conservateur ou réac, conservateur plutôt. 12 millions de personnes en France, ça fait plein de petits soldats possibles à faire. Pondichéry, on va peut-être éviter quoi. Voilà. Voilà. Théorie néoclassique, c'est recherché. Maintenant, on va balancer. Non. Irving Fischer a été découvert par la France. Wouhou! Ah oui, quand même. Il y a pas mal de communistes qui se sont révoltés. Union sociale. Non, les fascistes, surtout pas. Ah oui, quand même. Bon, on va les mater tout ça. C'est bien, c'est les Belges qui viennent mater les révolutions. Les révolutions chez moi. C'est plutôt drôle. 99,4. Hop, hop, hop. C'est la Belgique qui vient taper mes rebelles. C'est tellement drôle. Donc du coup, la diplomatie, la Belgique. Le 25 février 1909. Il me faut 100 points d'influence. Je devrais les avoir assez rapidement. Hop. Je suis en train de me faire ruiner en puissance militaire. Hop. Donc l'aliénation sociale, c'est en train de se faire rechercher. Eh ben c'est très bien. Encore gagné les Jeux Olympiques. Je perds encore 17 fortunes et demie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la pression fiscale.
Tant que ma population ne dit rien, j'appuie. Donc. Ça devient intéressant les élections très prochainement. Ça devient vraiment très intéressant. Karl Menger, normal. Hop. Ça, dès que je vais y avoir une chance que la SFIO passe, on va aller le faire tout de suite. Aliénation sociale, j'ai terminé. On diminue. Déclin de l'Occident, les générations perdues, normal. Cardwankel, normal. Hop. Culture de masse et avant-garde. Je crois qu'il va falloir vraiment que j'augmente la pression fiscale très sévèrement. Parce que là... Je perds un peu beaucoup d'argent. C'est pas grave. On pourra faire un emprunt. Ah zut, la SFIO va pas passer, ça va être juste un poil trop tôt. Par contre... Allez, balance le blend citoyenneté. Tada! Hop, j'ai ramassé la Belgique. Maintenant, on va jouer avec la Prusse. Voilà. Ça, c'est bien d'avoir récupéré la Belgique. Il va falloir que je... Regarde ce qui se passe au niveau des industries. On essaie encore une fois. Hop. Attends, on arrête de te subventionner. Oui, donc c'est toujours du conservateur. On arrête de te subventionner, tu perds trop. On arrête de subventionner ça. Ça on agrandit, ça on agrandit. C'est terrible. Où est-ce que je peux gagner un peu d'argent ? En subventionnant rien du tout, je peux gagner un petit peu d'argent. Annuler toutes les subventions. Ah oui, quand même. Ça fait un petit choc. Bon, par contre, là, on va réduire la vitesse et on va regarder. Assyrie, ça, je subventionne. Usine d'explosifs aussi. C'est bien, quand je subventionne pas, ils perdent tous de l'argent, c'est génial. C'est génial, quoi. Bon, on va regarder comment ça survit comme ça. Eh, c'est pas loin d'avoir la SFIO. 99,5. Wouhou! Ah, c'est certain. Hop, hop. Directivisme militaire. Bon. Ah, je peux réformer. Oui. Mais ils arrêtent de se soulever, les communistes. Ils commencent à m'embêter un petit peu, là, à se soulever tout le temps.
Voilà. Donc on a dit réforme. Limitation du journée de travail à 12 heures. Voilà. Allez, gagner, gagner. Gagner. Allez, gagner, gagner. Ah mais j'ai mes blindés moi. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Perdu. Hop, on crée une armée. Voilà. Gagné. Très bien. Donc moi je voulais me mettre à regarder. Ça, on va subventionner ça, on va subventionner ça. Ça, on va subventionner ça. C'est une usine. Non, c'est une usine d'explosifs, on va la subventionner quand même. Désélectionner tout. Usine de blindés. Non, mais dites pas qu'elle a fermé. Les armes, on subventionne. Le chantier naval, on subventionne. J'ai inventé le surréalisme. Jules Dupuis, Thorstein Velbern, Stanley. Les meubles, on subventionne. Le tissu, on subventionne. L'acier, on subventionne. Le papier, on subventionne. Les meubles, on subventionne. Les vêtements, on rouvre, on subventionne. La verrerie, on ouvre, on subventionne. Wilfredo, Léon Walras, existentialisme. Usine d'artillerie, on ouvre, on subventionne. Petit habillement, pareil. Meubles de luxe, pareil. J'ai l'impression qu'elles reviennent à zéro quand on les... Comment, quand on les réouvre? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les meubles ici. Les vêtements ici. Le tissu là. Hop. Puis pour le moment, ça va aller. Ça me coûte déjà assez cher comme ça. Subventionner les industries, ça coûte cher. Stratégie de gestion. Pas 1909, 1919, 1919, les polymerdes. Tiens, d'ailleurs, on va aller voir si on peut pas faire des élections pour changer de parti dirigeant. Non. Mouvement pour un salaire minimum. Lobby politique. Hop. Hop. Lobby politique, littérature d'avant-garde. J'invente plein de trucs.